Coucou tout le monde, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour un autre petit tuto Halloween. Donc aujourd'hui on va se déguiser en clown diabolique. Allez c'est parti, je vais d'abord commencer par appliquer un fond de teint très très clair sur tout mon visage. Je l'applique avec mon beauty blender pour avoir le plus de couvrance possible. Je n'hésite pas à en appliquer sur les yeux ainsi que sur la bouche. Maintenant je vais venir poudrer tout ça avec une poudre très très claire, moi c'est celle de chez ELF. Maintenant, je viens prendre un crayon bleu et je viens dessiner une espèce de forme de goutte qui part légèrement vers le haut au-dessus de sourcil sur chacun de mes yeux. Après, libre à vous de prendre la couleur de crayon que vous voulez, mais il faut éviter de prendre un crayon noir pour avoir quelque chose de beaucoup plus coloré. Une fois la forme désirée obtenue, je viens colorier tout ça. Ne vous inquiétez pas si le coloriage n'est pas exactement comme vous le voulez. On va reprendre tout ça par la suite vu qu'on va venir ajouter d'autres couleurs plus tard. Je fais ça sur l'autre œil. J'essaie d'être le plus régulier possible et d'avoir la même forme que l'autre œil. Je sais que c'est pas forcément évident à faire. Pour mieux colorier l'intérieur de l'œil, je n'hésite pas à venir étaler tout ça avec un pinceau par la suite. Si vous avez un crayon jumbo, c'est encore mieux. Comme c'est plus gras, ça s'étale beaucoup mieux, mais je n'en avais pas sous la main. Une fois que j'ai fini les yeux, on va s'attaquer à la bouche et là, il y a du boulot. Donc je vais venir avec un crayon noir commencer à dessiner des sortes de dents. Donc ne vous appliquez pas tout de suite là, venez dessiner des petits ponts, c'est largement suffisant. Le travail va se faire progressivement au fur et à mesure du maquillage. Donc c'est un clown qui possède beaucoup beaucoup de dents. Hein. Alors je fais un petit point de repère de l'autre côté pour essayer d'être le plus égal possible par rapport à l'autre moitié du visage. Maintenant, je viens faire un trait au-dessus des petits ponts qu'on a commencé à faire. Et maintenant, je viens prendre un petit pinceau. Donc moi, je me sers d'un pinceau à peinture. Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour des make-up comme celui-ci. Et je viens utiliser un eyeliner gel de chez Rimmel. Donc je viens colorier mes lèvres entièrement. Donc cette étape n'est pas forcément agréable car l'eyeliner gel est assez épais. Hein. Je déborde bien sur les côtés et je remplis tout ça. Maintenant, je vais de l'autre côté de mes dents et je continue le trait noir le plus loin possible. Et évidemment, je remplis tout ça. Vous voyez, j'y vais vraiment progressivement pour être sûre d'avoir quelque chose de bien rectiligne et de bien tracé surtout. Je viens foncer le derrière de la dernière dent aussi pour bien déterminer l'arrêt de la bouche. Maintenant, je viens en dessous et je viens redessiner les mêmes dents qu'en haut. Et je viens retracer un trait en dessous pour bien déterminer l'arrêt des dents. Donc le résultat ne paraît pas très net pour le moment, mais vous allez voir qu'après, avec tout le travail de finition qu'il va y avoir, ça va être beaucoup plus joli. Maintenant, je reprends mon petit pinceau avec mon eyeliner et je vais venir noircir vraiment très profondément entre chaque dent. Je viens prendre maintenant un rouge à lèvres rouge et je vais venir dessiner une sorte de gencive. Donc je vais venir tracer un trait rouge au-dessus de chaque dent. Si vous avez un crayon contour de lèvres rouge, ça ira très très bien pour cette étape, voire même encore mieux. Maintenant,
je vais venir continuer mon sourire. Donc je vais tracer deux sortes de triangles de chaque côté de mon visage. Et évidemment, j'essaye de les faire identiques tous les deux et au même niveau tous les deux. Une fois que les deux triangles sont bien tracés, je peux commencer à les remplir. Donc pour le remplissage, vous pouvez y aller directement au raisin et faire les finitions au pinceau. Le fait d'y aller au raisin vous fait quand même gagner du temps. Maintenant que j'ai terminé cette étape, je vais venir dessiner la lèvre. Donc je prends à peu près 2-3 cm au-dessus des dents et je vais venir dessiner un trait de chaque côté du sourire. Donc, je répète l'étape du remplissage au raisin dans la lèvre. Évidemment, j'essaye de ne pas déborder sur les dents. Maintenant, je vais répéter cette étape en bas et je viens former ma lèvre du bas. Ça nous fait une très grande bouche quand même. Pareil, je viens remplir au raisin et je terminerai au pinceau. Une fois cette étape finie, je viens reprendre mon fond de teint du début avec mon petit pinceau que j'ai au préalablement lavé pour ne pas qu'il y ait de rouge dessus. Et je viens dessiner des pointes à chacune de mes dents pour donner un aspect beaucoup plus féroce à ce clown diabolique. En faisant les pointes, je n'hésite pas à venir recolorier l'intérieur des dents pour leur donner un aspect beaucoup plus clair. Une fois que j'ai fait ça, je viens reprendre mon petit pinceau avec mon eyeliner et je viens redessiner un trait au-dessus de chacune de mes dents et entre chaque dent surtout. Donc là, c'est pour imiter vraiment l'intérieur de la bouche. Le trait ne doit pas forcément être très très droit, au contraire, il faut qu'il épouse chacune des dents pour former une sorte de petit pont, ce qui donne un effet beaucoup plus réaliste. Je n'hésite pas à refaire un petit triangle pour avoir un aspect bouche très très grande et beaucoup plus ouverte. Et je viens surtout bien renoircir tout ça. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de manque de couleur. Donc vous voyez, le fait de bien foncer entre chacune des dents donne un aspect de relief aux dents. Maintenant, je viens prendre un pinceau plat et je viens flouter le trait pour que le trait noir se mélange un petit peu au trait rouge pour donner un effet sali un peu. Et en même temps, ça permet de combler d'éventuels manques aussi. Maintenant, je reprends mon eyeliner et mon petit pinceau et je viens dessiner un trait noir au-dessus des lèvres. Comme un contour de lèvres, tout simplement. Donc vous voyez, l'aspect des lèvres rouges a changé avec le pinceau. Ça donne un effet un peu rouge-noir qui n'est pas très régulier, mais qui donne beaucoup de profondeur à cette bouche qui est terrifiante.
je remplis encore un petit peu ma lèvre vu que je l'ai descendue légèrement avec du rouge et je refloute tout ça avec mon pinceau plat. Alors moi j'utilise mes pinceaux de chez ELF, ils vont très très bien pour ça. Par contre, une fois que vous avez fini, il faudra laver vos pinceaux entièrement. Maintenant, je prends un petit pinceau fin avec un fard à paupières marron et je viens dessiner un arc de cercle au niveau de la bouche et au-dessus, en dessous, pour dessiner une espèce d'ourlet, voire de ride en fait. Alors, il ne faut pas que le trait soit trop tracé. Là, s'il y a des manques, c'est pas grave. C'est vraiment pour donner un aspect de lumière en plus et de saleté en plus au maquillage. Donc là, je viens froncer mes yeux et j'accentue mes rides naturelles avec ce fard à paupières marron. Donc le fait d'accentuer les rides d'expression va donner un air beaucoup plus méchant à ce clown. Je viens dessiner quelques vagues au-dessus du front pour lui donner un aspect beaucoup plus ridé aussi. Donc toujours avec un fard à paupières marron, mais qu'on va venir noircir après. Le fait de commencer au fard va donner toujours cet aspect relief. Je viens foncer chaque côté de mon nez avec ce même fard. Donc là, comme vous le voyez, ça donne un aspect encore beaucoup plus fatigué. Et maintenant, je reprends mon rouge à lèvres bien rouge et je vais venir dessiner mon célèbre nez de clown. Donc là, je ne vais pas le faire forcément très très rond. Je vais plutôt le dessiner vu la forme de mon nez. Maintenant, je viens faire les contours en noir, toujours avec mon eyeliner gel. Et nous avons un intrus dans la vidéo. Mon petit Memphis avait peur de ma tête, il ne comprenait pas. Je peux comprendre qu'il avait peur vu la sale tête que j'ai à ce moment-là. Enfin, maintenant je viens prendre un petit pinceau précision pour les yeux avec un fard noir et je vais venir noircir les coins et les pointes du dessin autour de mon œil. Toujours pour un aspect plus fatigué et plus méchant. Je vais aussi bien foncer les coins, l'intérieur du pli de paupière et l'intérieur de la muqueuse pour avoir un aspect toujours plus intense en couleur aussi. Donc pour le pli palpébral, je prends tout simplement un pinceau estompeur. Si vous avez peur que votre crayon colle coule, n'hésitez pas à mettre de l'eyeliner gel, ça tient beaucoup mieux. Je reprends mon petit pinceau précision avec lequel j'ai mis mon fard noir pour salir mon nez. Maintenant, je reprends mon petit pinceau et mon eyeliner gel et je viens dessiner certains contours des dessins autour de mes yeux avec l'eyeliner. Évidemment, on répète l'opération de l'autre côté. Je viens rajouter un trait d'eyeliner, évidemment sans faire de virgule, pour approfondir encore plus le regard. Je viens rajouter quelques rides d'expression. Évidemment, si vous avez des lentilles de couleur rouge ou noire, ça sera vraiment beaucoup mieux pour ce make-up. Et je viens refoncer les rides d'expression qu'on a fait tout à l'heure. Et je vais venir salir quelques parties de mon visage avec le reste d'eyeliner que j'ai sur mon pinceau. Et voilà, notre clown est terminé. Vous n'avez plus qu'à vous choisir une belle petite coiffure. Personnellement, j'ai opté pour deux petites queues de cheval sur le côté. J'espère que ce maquillage vous aura plu et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.